Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Siméon Baldit de Barral, je suis coprésident de l'association On The Green Road. D'accord, très bien. Alors ici, on est dans le cadre du programme Voyage à Impact Positif. Est-ce que tu peux nous en parler de ce programme ? Alors l'idée de ce programme VIP, Voyage à Impact Positif, c'est de permettre aux personnes qui le souhaitent, qui ont peut-être déjà une sensibilité écologique, de mettre aussi le voyage dans cette démarche écologique. Et en gros, ça peut être des personnes qui prennent l'avion tous les ans parce que pour des vacances, et leur dire « mais écoutez, il y a peut-être des manières de voyager différemment ». Les interroger sur quel est le sens profond du voyage, pourquoi on part voyager. Et finalement, peut-être leur faire réévaluer les critères du voyage et penser à voyager plus local. C'est là qu'on découvre qu'il y a beaucoup d'alternatives. Par exemple, au lieu d'aller se faire un week-end, un petit saut à Budapest, par exemple, en avion, en fait, on peut partir beaucoup plus proche, que ce soit donc le train, forcément. On peut aussi partir en stop, à vélo, et par exemple dans les Alpes, aller se faire un petit périple à vélo, c'est ce que présente par exemple la Maison du vélo, en n'étant pas du tout un expert du vélo, un grand sportif, mais en fait juste aller découvrir. En fait, on peut trouver plein de moyens alternatifs de voyager, et on peut même aller voyager dans sa ville, prendre son week-end pour aller découvrir des nouveaux lieux, et c'est ça fondamentalement le voyage. Justement, tu parlais de ton projet, tu es parti un an faire un tour du monde, tu es parti à vélo, et pourquoi ce choix du vélo ? Alors ça a été le tout départ de l'association, ça a été un tour du monde à vélo en effet. Et alors avec mon cousin, on avait beaucoup l'habitude de voyager en stop en Europe et on s'est dit tiens, on a envie de voyager autour du monde, quels moyens il va y avoir? On nous a parlé du vélo, on nous a parlé de l'intensité des rencontres qu'on pouvait avoir à vélo, le côté aussi défi sportif qui nous intéressait. Et en fait, on s'est dit il y a un peu on retrouve quelque chose qu'on a dans le stop. Et on va donc partir à vélo. Et on n'était pas du tout sportif au départ, on n'avait pas du tout l'habitude de voyager à vélo, mais on s'est dit ça va être un bon moyen pour aller rencontrer les personnes. Parce qu'en fait, quand on a le vélo, on n'a pas de pare-brise, on n'a pas de limitation par rapport aux gens. Ils nous voient arriver, on est fatigué, et là tout de suite, ça crée un lien qui est direct. En fait, les gens nous approchent, nous aident, ont envie de nous accompagner un petit peu dans notre projet dingue, et donc ils nous logent pour une nuit, ils passent du temps avec nous, et nous, ça nous permet de rencontrer vraiment les gens sans filtre. Justement, tu parlais de ton association. Pour revenir sur l'événement, est-ce que tu peux nous parler un peu des autres associations qui co-organisent avec vous le projet ? Alors ouais, on travaille sur ce projet avec bien sûr la Maison de l'Environnement qui nous a aidés et qui nous a impulsés pour créer ce projet. Et en plus, on a aussi la Maison du vélo donc qui travaille autour du vélo et des périples à vélo possibles. On a aussi The Greener Good qui accompagnera les personnes sur comment envisager du voyage local à Lyon ou autour de Lyon, et se dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à découvrir d'une manière un peu alternative, et que ça, on peut trouver ça autour de chez soi, à Lyon, dans les monts du Lyonnais, dans la région aussi. En fait, on a plein de choses ici. Et bon, aussi, pour faire l'autopromo, vous pouvez aussi venir aux formations qu'on propose sur le voyage à impact positif, ce qui vous permettra de réfléchir avec d'autres personnes, de voir aussi des expériences variées, et d'avoir des associations qui vous invitent à ça avec des témoignages qui sont aussi très simples, parce que là on vous parle d'un tour du monde à vélo et c'est tout de suite impressionnant, mais en fait on commence toujours tout petit et en fait il y a plein de personnes que vous voyez dans la rue et vous dites pas que en fait quand ils ont un week-end devant eux, ils partent dans les Alpes pour faire un tout petit peu de vélo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook On The Green Road et sur notre site internet aussi, www.onthegreenroad.com. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi je m'appelle Olivier, je suis grenoblois, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je suis ingénieur mécanique orienté vers l'aéronautique. J'aime beaucoup tout ce qui vole et puis un jour j'ai tout largué pour partir sur un grand tour du monde que je voulais avec un impact zéro carbone pour avancer, en tout cas, donc sans aucun moyen motorisé. Et du coup, je suis parti pour un voyage qui devait durer 4 ans et qui finalement a duré 7 ans et demi autour du monde, sans moteur, à vélo pour les continents, en voilier stop pour les océans. Et pour ajouter un peu de magie à tout ça, j'ai pris un parapente pour voir le monde d'en haut. Voilà. On est ici dans le cadre du programme VIP, donc Voyage à Impact Positif. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de participer à ce programme ? Moi, ça m'apporte plusieurs choses. D'abord, une rétrospective sur le mien et la bonne question de est-ce que mon voyage a été à impact négatif, neutre ou positif ? En bilan. Et puis évidemment, c'est très difficile de répondre à une telle question. Donc c'est assez complexe. Je pense qu'il y a des côtés très positifs à ce voyage. Il y a aussi un côté impact environnemental évident de se déplacer, de vivre simplement, même si on ne prend aucun moyen pour avancer. Et du coup, la réponse à la question rapide, c'est un peu... c'est une question complexe qui m'a permis de réfléchir en fait. C'est ça que ça m'apporte de venir au VIP. Et ça m'apporte aussi une sorte d'utilité sociale, justement. Ça met un peu en exergue cette utilité, cet impact positif, je pense, parce que ça me permet d'intervenir devant d'autres personnes en leur racontant comment moi, je suis passé de mon rêve à la réalité. Et moi-même, j'ai reçu ce flambeau de l'inspiration avant de partir. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de le faire passer. Donc peut-être que c'est là où réside cet impact positif. Et au cours de votre voyage, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou à l'inverse des anecdotes plutôt positives ? Oui, alors 7 ans et demi, c'est une infinité d'anecdotes, de moments extrêmement positifs. Prenons par exemple ce jour où au bout d'un an de voyage et après avoir passé 3 semaines dans un désert à 5000 mètres d'altitude, le désert du Sud-Lipez en Bolivie, je pousse mon vélo de 60 kilos, je suis avec ma compagne à ce moment-là, Nadège, et puis on arrive devant l'immense lac salé qui est le Salar de Uyuni. Donc 200 km de sel, c'est-à-dire enfin ça roule, et ça roule très bien, c'est comme du billard. Et là, il y a une petite brise qui s'élève, ça me permet de lever mon aile de parapente en l'air, et en me mettant sur le vélo, j'arrive à me faire tracter et, sur plusieurs centaines de mètres. Du coup, je fais demi-tour, je vais chercher Nadège, et du coup, on attache les 2 vélos ensemble et on se fait tracter pendant 80 km, pendant 6 heures, sans un seul coup de pédale. Et ça a été la cerise sur le gâteau où les 3 thématiques de mon voyage, qui a été le vélo, le voilier stop, on traversait une mer asséchée, et le parapente qui était là pour nous tracter, étaient réunies. Et c'est que longtemps après, d'ailleurs, en écrivant mon livre, en choisissant la photo de couverture, que je me suis dit, en fait, j'ai envie de cette photo parce qu'il y a un 4e élément qui est là. C'est Nadège, cette 2e aile un peu, qui m'a accompagné par intermittence dans ce voyage et qui a donné un peu un côté très humain à toute cette aventure. Donc voilà, c'était une anecdote que j'aime bien partager. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur enrouteavecelle.com, enrouteavecelle AILE, ou la page Facebook enrouteavecelle, ou l'Instagram enrouteavecelle. Et puis à suivre là-dessus les différentes aventures. En termes de projets futurs, je peux en parler de 2-3. Là, pour l'instant, c'est d'aménager un fourgon pour habiter dedans à l'année, donc être au plus proche des spots de parapente, des spots nature auprès desquels on voudrait vivre. C'est de lancer du coup cette histoire de voilier parapente et du coup de séjour un peu aventure pour les gens qui n'osent pas se lancer tout seuls, qui voudraient une sorte de sas. Donc pourquoi pas dans ce cas-là venir nous rejoindre sur Beyond Element, voilà, ou sur la page En route avec elle. Et puis là, je vais travailler sur un projet de film documentaire du film En route avec elle. Voilà. Des beaux projets. Il y en a plein. On te souhaite une bonne conférence. Ouais, merci. Et puis merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup.